J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais sont pas abonnés. Les refs, c'est gratuit. Abonnez-vous. Oh, toi t'es pas bien. Ah, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'avais envie de rire. T'avais envie de te taper un bon moment. Donc aujourd'hui on va réagir au meilleur meme, je sais pas comment prononcer ça, d'internet. On commence direct. Je sais que vous voulez pas qu'on perde de temps avec l'intro. Est-ce que vous arriverez à terminer cette vidéo sans rire? Ça c'est le défi qu'on va se donner les amis. Aujourd'hui, objectif, on fait premier degré, un vrai essai de ne pas rire. Genre ça va être très dur pour moi parce que je suis un petit coup. Ok, est-ce que ça va pas? Vas-y, non mais je rigole déjà juste parce qu'il y a un vieux rire au montage. Mais vous êtes sérieux là? Non mais vas-y. Voilà pourquoi je n'ai pas de chat. C'est pas parce que les miaulements, les voix, l'allergie ou vraiment juste parce que quand ils arrivent, bam dans ta tête pendant la game, c'est un peu dérangeant. Attends, c'est un robot de sécurité qui vient de se faire démarrer. Ok, là c'est Fortnite. Ah mais ça, vous voyez, c'est arrivé dans Fortnite. Je suis sûr que c'est arrivé dans la vraie vie. Tout ce qui a été testé dans Fortnite, il y a forcément un pélo qui a voulu le faire dans la vraie vie. Donc ça veut dire qu'à un moment, quelque part, dans le monde, il y a un mec qui a dit à son pote, elle saute, j'envoie la roquette au même moment, ça fait skateboard. Non mais jamais c'est arrivé. Si c'est arrivé que ça, et ça s'est bien passé, je veux voir les vidéos. Sinon, bah, je préférais ne pas voir les vidéos. Mais ça n'a aucun sens en fait. C'est des mines. KFC. D'ailleurs tout le monde, là on vient de commencer un peu la vidéo et tout, donc maintenant je peux vous le demander. Oubliez pas, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait pas de mal. Et si vous vous abonnez, je vous offrirai du saucisson. Et si vous êtes végétarien, du saucisson végétarien. Ok, c'est quoi? Oh non, la statue elle était trop belle. Mais pour l'instant j'ai pas rigolé. J'ai fait des petits soufflements de nez mais j'ai pas rigolé. Basket en verre. Oh, c'est trop bien. Tout à l'heure je joue au basket. Ah, il a frappé la tête du mec et ah mais il s'est fait baiser. Ok, là on est en Italie. Ok, non. Putain, je me suis fait avoir. Première fois que je rigole, vraiment. Tu sais, il est tombé, mais tellement naturellement, il n'y a même pas eu, tu sais, de réflexe, il n'y a pas eu d'envie de se rattraper. Pas rigoler. Ça, c'est vrai. Genre, les filles, elles peuvent pas comprendre. Nous, les mecs, quand on réussit ce genre de choses, c'est comme si on avait un prix Nobel. C'est comme si on venait de réaliser un truc de baiser. Quand t'arrives à faire un bottle flip avec un poteau, et on l'a tous déjà essayé, c'est que vous êtes chaud. Oh, mais ça fait trop mal! J'ai eu mal pour lui, j'ai envie de pleurer. On fait quoi, là? Est-ce que ça compte? Est-ce que si je suis en game de baseball et que je... avec les fesses, avec mes gros popotins, là, est-ce que ça compte? Parce que théoriquement, il a renvoyé la balle. Après, bon, il l'a renvoyé sans la batte, mais il a renvoyé la balle. C'est quoi, ça? Ah, ok. Donc là, il a mis des ressorts et il va faire vibrer son téléphone pour voir si ça saute. Mais pourquoi? Mais moi, j'étais en train de me dire, oh, ouais, c'est une bonne idée et tout. Non, mais je suis bête, moi. Pardon. J'ai pas rigolé. Pas rigolé, mais j'ai eu peur. Non, mais non, mais le... Non, mais c'est des gamins. Ok, lui, proba combien son lait, là, il va se le faire gicler dans la gueule. Ah, vous pouvez pas me censurer, YouTube. C'est totalement vrai, c'est ce qui va arriver. Roberto. Attends, c'était un mec? C'est un mec ou une meuf? Eh non, mais ça, par contre, les gars, moi, c'est compliqué parce que je commence à me poser des questions, du coup. Genre, dans le sens que sinon, je comprends pas la blague. Bon, bah, c'est Roberto. Et Roberto est très belle. Dites-le dans les commentaires. Roberto, t'es trop belle. C'est le essai de ne pas rire le plus dur du monde. Jamais j'ai vu une mouette barrer avec toute la pizza. C'est même pas genre en mode elle prenait un petit croc. Elle a pris toute la pizza et elle s'est barrée, mon gars. Elle est partie avec ses amis mouettes, elle a tapé sa meilleure soirée. Hein. En plus, ça se voit, c'est une bonne pizza. Mais frère, mais elle est trop forte. Parce que je me dis, ça pèse un poids quand même une pizza pour une mouette. Hein. Même pour moi. Attends, le mec a fait exterminer son saumon parce que le saumon n'était pas assez cuit. Et moi, je veux pas être pote avec ces gens-là. Hein. Et moi, vu comment je cuisine mal, je vais me faire démonter la gueule. À chaque fois que je vais cuisiner même un truc simple, omelette, ils vont dire, ouais, pas assez cuit, bam. Genre, c'est un peu des zinzins, les Américains. Oh, un bébé. C'est la technique disparition. Comment, pourquoi il est allé où, le chat, il a volé? Pour l'instant, ça va? Ça va? Ça va? Oh mon dieu, je connais une personne qui joue comme ça. Thomas SMR. Thomas SMR, les gars, est la pire personne pour jouer au bowling. Le gars balance la boule sur le plafond, pareil. Une fois, vraiment, on a fait une heure comme ça, j'ai filmé, j'ai fait des TikTok et tout. Et je me suis dit, genre, il y a le mec du staff, il va nous prendre, il va nous jeter par terre, il va faire comme avec le saumon, tu vois, il va nous éclater en deux. Mec, personne n'est venu. Mec, le terrain était difforme à la fin de la partie, il y avait un problème. Il y avait des boss. Oh, ce boule.
T'es un transformer spécial, ah, j'ai rigolé, mais c'est pour ma blague. Oh, les poissons chats. Ah ouais, mais non, mais là ils sont... Ils vont faire des... ils vont faire du sale, hein. Les poissons chats avec leur grosse bouche, je me dis quand ils se pécho, tu sais, c'est un peu comme des lits poutous. Ah, waouh. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, les refs. Le gars s'est dit, la balle est coincée là-haut. Je vais prendre ma chaussure que je viens d'acheter et je vais la jeter de ce côté. J'espère en vrai que ça a aidé quelqu'un. Quelqu'un a trouvé une autre chaussure à son pied, tu sais, il avait qu'une chaussure, s'il a fait, oh, j'ai la paire. Pas rigoler. Violence gratuite. Violence envers webcam gratuite. Aucune webcam n'a été maltraitée durant mes tournages. Mais il a fait une glace ? Oh mais moi c'est des trucs qui me font câbler ça, hein. Quand tu prépares une belle assiette et que le truc il splatche à côté. Oh j'ai le seum, là je suis énervé, hein. Là vous me faites rire parce que là je suis énervé. Simple. Drôle, ok j'ai un... Combien de fois j'ai rigolé dans la vidéo? Je crois 3 fois pour l'instant. C'est des petits bruits comme ça, j'avoue que ça fait rire. Mais dites moi les commentaires, pour l'instant vous avez rigolé ou est-ce que vous avez un cœur de pierre? Pas me faire ça. Là, me faire peur comme ça, c'est pas légal. Oh, c'est Snake. Le gars va battre son meilleur record du monde sur Snake. Ah, c'est pas identifié cet éléphant. De tous les snowballs, le truc que leur a pu intérêt, évidemment, c'était sur son crâne. Hein. C'est moi au lycée quand j'essaie d'enlever les caméras de sécurité. C'est tellement ça. Oui. Oh, ça va craquer fort, non? CSGO. Ça, c'est moi en live sur Twitch. D'ailleurs, oubliez pas, les gars, ce que beaucoup de gens le savent pas, mais pourtant, je l'ai dit dans toutes mes vidéos. Genre, je fais des lives sur Twitch où je joue à Counter-Strike, Valorant. Donc, venez me voir en live tous les soirs. Dans la description. Oh, stylé! Oh, il a cassé son Lego. Attends, mais là, tout va trop vite, par contre. Là, c'est même pas drôle. Oh, il a fait un tourbillon. Il a cassé le verre, mais mec, il est beaucoup trop fort. Mais attends, mais en fait, tu passes une journée avec tous ces gens-là, ta maison est cassée à la. Mais c'est quoi ça? Attends, c'est vraiment comme ça dans les chaussures? Attendez, venez, on détousse nos chaussures et on vérifie. Non, je rigole. Genre, dans les chaussures, il y a des ressorts comme ça. Alors, en vrai, trop stylé, mais du coup, est-ce qu'on saute plus haut? Parce que c'est trop, en vrai, du coup, tous les basketteurs, en vrai, ils sont bons, c'est juste qu'ils trichent tous, hein. On sait pas. Wesh, ouais, c'est le chat qui démarre le chien. Ouah! Mais t'es mal, le coup de pied retourné. Mais ce chat, mais c'est le chapoté. C'est vraiment lui en plus. Oh, Dugs! Attends, il voit pas la. Genre, il a lâché un cri aussi aigu que ça, attends. Moi, je peux pas faire plus aigu que ça. Incroyable. Un gun Lego. Mais où est-ce qu'ils vont, nos enfants, là? En plus, ça marche pas, mais c'est con. Non, mais j'ai rigolé, mais c'est normal que ça marche pas, ça, Lego. C'est moi pendant les premiers secours. Alors, frérot, tu me mets une baffe comme ça, par exemple, bouche à bouche, hein. Crois-moi, je me réveille direct. D'ailleurs, petite anecdote, moi, quand j'ai fait les premiers secours au collège, je sais pas si vous avez encore ça aujourd'hui. Moi, je sais que le prof, il m'a pris en exemple. J'ai pas beaucoup de peau et j'ai beaucoup de veines. Donc, quand il s'est appuyé sur moi pour me dire, ok, alors là, si vous voulez mettre en sécurité PLS, faut vraiment faire comme ça, etc. Il s'est un peu appuyé sur moi trop longtemps et mon bras est devenu tout bleu. Et c'est une meuf de la classe qui a remarqué, elle a fait, oh, ce bras, il est bleu. Et après, tout le monde a commencé à paniquer. Le prof, il est passé pour un baiser. Genre, parce que clairement, j'étais en train de mourir sur place. C'est quoi, c'est le plus petit bowling du monde, ça? Ça m'étonne même pas que les gens y ratent. Ok, Cars, Flash McQueen. En vrai, la voiture, elle a pété, mais c'est stylé. Hein. Le chien, il va se prendre la vis. Bah oui. Mais par contre, il était pas obligé de prendre la vis littéralement avec lui. Quoi? Non mais, en fait, cette vidéo, ça me choque parce que je me dis, on est 7 milliards sur Terre, bientôt 8. C'est un peu effrayant. Mais c'est cool parce que je vais gagner plein d'abonnés. Abonnez-vous. En fait, il y a un truc que je me demande, c'est pourquoi? Genre, sur les nombres d'êtres humains sur Terre, grâce au téléphone, on filme des trucs de ouf tous les jours. Mais imaginez quand il n'y avait pas les téléphones. Ces années, on nous a caché tellement de choses. En fait, le monde, c'est Garry's Mod avec que des bugs. Il fait trop peur, lui. Attends, mais le chat, il a fait watch me whip, watch me nene. Genre, mec, c'est un chat de 2016. Incroyable. Vous savez quoi? Tous ceux qui ont des chats en commentaire, est-ce que vous pouvez me confirmer que les chats sont tous des malades mentaux? Moi, j'en ai deux, et je peux clairement le confirmer. Et j'en connais beaucoup. Beaucoup de chats aussi. Quoi? Ouais. Je voulais pas trop jouer à Pierre, Feuille, Ciseaux. Quoi, c'est des chips? Attends, mais là, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de petites vidéos qui viennent, et on est d'accord qu'on comprend pas tout le temps. Parce que la qualité, mec, elle est en moins de 100p. Pire mec, se jeter dans la piscine de la pire manière. On dirait moi sur TikTok. C'est moi sur TikTok. Oh, c'est moi! C'est quand tu fais... En fait, quand tu prends une pizza, si t'avais envie d'un tacos, tu la plies, pizza tacos, let's go! Oh ouais, lui, il a un truc de basket dans son... En plus, après, vous avez vu, il continue, hein. Ça veut dire, le gars, il sait qu'il a tout cassé. Ah, mais il continue, il s'en fout. C'est mieux planté que les épées animées que j'avais acheté la dernière fois. Ah, j'aime trop les chats. C'est bon, ça me fait. J'en ai marre. Ah, il est trop beau! Mais par contre, il avait l'air un peu agressif. C'est un dessin animé. Mec, tu imagines, tu passes une journée avec que des bruitages comme ça pour chaque objet transformé en épisode de Bugs Bunny? Bah oui. Ok, là, qu'est-ce qui peut se passer? Tout a l'air correct, tout a l'air bon, tout a l'air incroyable.
Je suis trop chaud, on refait une vidéo et ça me paraît très bientôt. Donc proposez-moi dans les commentaires des vidéos que vous voulez que j'analyse. Ou dites-moi surtout si vous avez rigolé aux vidéos que j'ai montrées. Venez me voir en live sur Twitch, Rayton TV et sur Instagram, Rayton-YT. Abonnez-vous, activez la cloche pour suivre la suite des vidéos avec toutes les notifications activées. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Rayton, passez une bonne journée et ciao.